Pour une prédication à la radio Télé Solidarité. Le PNS a exercé son ministère et en Suisse, bon, je dois vous dire, c'est grâce à la technologie et le Centre National remercie déjà, ou bien la radio Solidarité remercie déjà le PNS pour cette prédication. Parce que lorsque je l'ai appelé pour cette prédication, elle a accepté volontiers. Tu vois bon? De le faire, c'est parce que l'Église est vraiment une et vraiment, on sait le travail colossal
de la progression des pêches calabriennes à travers le monde. À travers le monde. Qui veut que je dis à que nous comptons que pour nous gagner PNS pour troisième jour, nous venons. Et troisième jour, nous venons à l'honneur Notre-Dame du Perpétuel Secours. PNS, j'aime dire là que la PNS, le ministre de la Suisse, son pêche calabriennes liées, la bien pour parler nous sur la naissance à Bethléem, les bergers, les anges du Gloria, et le roi marche. Mais PNS, bienvenue à la radio de l'Isidarité. Merci, Père Bito. C'est un plaisir pour moi de partager ensemble avec nous. Et prédication, ça, c'est pas très longue. Et puis, nous allons essayer de partager avec mon yo. Ouais, naissance à Bethléem. Qui ça qui est en donné comme richesse pour nous, même chrétiens? Nous, nous parlons de l'histoire de Jésus à Bethléem, nous parlons de Jésus qui est à Bethléem, qui fait dans une condition tout à fait, je ne sais pas dire, pour aujourd'hui, c'est inhumaine. Une condition côté monde pas à doué fait, mais sauveur, il fait là avec Marie, qui n'a pas gagné en pile. Possibilité, c'est une nouvelle comme ça, pour être payé hôtel, et puis hôtel n'est pas lié avec le monde. On est capable de dire ça, Jésus fait dans une condition tout à fait pauvre. Mais Jésus, ça, qui fait dans la condition, ça, c'est sauveur, nous. C'est Messie. Nous parlons, au cours de toute cette période-là, nous parlons en pile. Nous parlons à Magio, nous parlons en pile, monde qui vient dans le lit. Gloire, qui veut nous donner une gloire à mon Dieu, parce que mon petit bon Dieu a fait, il fait pour lui sauver l'humanité. C'est sauveur, c'est Messie. C'est le Messie. Eh bien, Jésus, ça qui fait là, c'est Jésus et ça qui vient nous révéler. C'est une révélation. C'est bon Dieu qui révèle à nous. Et c'est même bon Dieu, ça, qui continue à révéler dans l'histoire, tout peuple, dans l'histoire, peuple haïtien, qui a préparé le jour pour lui faire Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui a fêté la Vierge Marie et son nom, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Eh bien, bon Dieu, ça, lui-même qui s'est sauvé nous, qui est venu pour lui sauver nous, c'est le Verbe qui s'est fait chair, qui est venu habiter parmi nous, qui est venu porter l'amour, qui est venu pour lui libérer nous, qui fait pour nous montrer nos vrais visages, pour dire qu'on a bon Dieu ça, qui ne peut pas parler avec nous à travers l'autre monde, mais il vient parler avec nous à travers qui il y a, et c'est bon Dieu même. Eh bien, le bon Dieu lui-même, il vient habiter dans nous, là, il dit que nous-mêmes, nous devons gagner tout ça, que bon Dieu lui-même, il nous donne la possibilité pour nous vivre divine, c'est nous. Ça veut dire que c'est la divine, c'est l'humanisation de Dieu et puis c'est une divinisation de l'homme. L'homme-là qui nous donne une chance pour être capable de refléter l'image de bon Dieu qui est déjà dans lui-même. Et bien, bon Dieu, ça, il vient, les vidéos sont montées qui est faites maintenant pas bête. Le bon Dieu qui fait maintenant pas bête, ça veut dire qu'il fait dans condition ça pour lui montrer les trois conditions. Condition masque, condition qui est plus bas, pour les gens capables de libérer. Eh bien, libération, ça, il doit faire nous, en même temps, que nous prenons conscience de l'état, de l'état péché, de l'état condition de misère que nous ne sommes pas bien, il veut dire. Bien, nous-mêmes, haïtiens, nous toujours fêter chaque année, c'était 26 juin, nous fêter Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous fêtons Notre-Dame du Perpétuel Secours en Haïti comme patronne. Eh bien, qui est fait? Ça lui-même est fait dans le même temps. Est-ce que nous-mêmes, nous prenons conscience que nous sommes faits? Non, n'ayons pas de bête. Nous faisons. Est-ce que nous prenons conscience de naissance? Nous n'avons pas de bête à tout. Nous faisons dans le paysage. Est-ce que nous sommes prêts pour nous grandir? Est-ce que nous sommes prêts pour nous grandir? Est-ce que nous sommes là dans le même temps? Non, pas de bête à tout. Mais côté nous qui fait ça. Moi, Jésus-Christ, c'est qui fait. Et Jésus-Christ vient pour venir les grandir, les apprendre, ensemble avec
par Henri, Marie et Joseph, et lui arriver accomplir le ministère, il fait exercer tout le ministère comme bon Dieu, il fait tout ça qui était pour lui. C'est pas seulement en parole, mais il fait, il dit, c'est un bon Dieu qui était venu pour pauvres, pour venir libérer le monde, pour venir libérer les conditions, parce qu'il va tellement libérer le monde, esclavage physique là, mais también libérer nous tous en bas esclavage péché dans yo. Ça veut dire c'est un bon Dieu qui fait, mais il fait nos conditions, ça les vignes sous terre, les prières comme mais il vient tout pour montrer nous que qui jamais nous doit vivre, qui jamais nous doit vivre, que nous doit vivre, donc les petits bon Dieu nous doit vivre avec dignité. Ça veut dire Jésus-Christ, il n'est pas sur un côté de l'Ouaïque, il y a un monde qui a souqué, qui s'allait faire, il est libéré comme ça. Les Jésus, il y a un monde qui est arabe, un monde qui a fait des choses dans la société, qui comprend que c'est péché qui fait la lettre, et même il fait un monde qui a ouais. Donc je dis à nous-mêmes, en fait, on ne fait pas ici, qui a préparé nous pour nous fêter, et fait Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous te fêtes, dans Bethléem, Bethléem, pas nous, c'est 1804, quand nous fêtes. Nous pouvons faire couper tête pour les cailles. Côté nous, nous sommes dans la condition de nous dire ça, nous sommes dans l'esclavage. Je dis, qui pas nous fait? Est-ce que nous ne faisons pas? Est-ce que nous ne faisons pas? Est-ce que nous ne faisons pas pour nous faire apprendre la dignité de nous en main? Eh bien, nous-mêmes, comme en tant qu'Haïtiens, en tant que monde, comme nous avons toujours à faire, il faut pas garder ça comme premier peuple noir. Premier peuple noir, indépendant de le monde. Mais je dis, pendant la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous avons une conscience. Nous avons une conscience pour nous dire, non, nous ne pouvons pas rester dans les mêmes conditions que nous avons fait à Bethléem. Nous devons sortir dans les conditions, dans la fatra. Nous devons sortir dans la fatra pour nous capables de prendre dignité nous-mêmes, parce que nous sommes un peuple. Nous, c'est le monde, nous devons vivre, pour le monde, nous devons vivre, petit bon Dieu. Eh bien, je dis, qui ça nous doit faire pour nous capables de vivre, tant que petit bon Dieu? Parce que bon Dieu, ça, il est toujours là, il veut nous vivre avec dignité, il veut nous vivre, tant que petit bon Dieu. Il vient, il marche, il est là, c'est bon Dieu par moi, c'est pour mon Dieu qui veut nous souffrir, c'est pour mon Dieu qui veut nous vivre dans la grâce. C'est pour mon Dieu qui, bon Dieu, ça, qui était fait, qui était venu sous terre à travers Marie, maman, nous voulons fêter ça. Maman, nous, Marie, et que ce n'est pas le bon Dieu qui t'a fait pour quitter mon souffrir, pour quitter nous à vivre dans un grand goût. Et bien, je dis à nous-mêmes, en tant que peuple, nous devons faire effort ça. Nous devons faire un effort pour nous capables de vivre dans le monde. Pour nous capables de vivre dans le monde. Parce que nous faisons, bon Dieu lui-même, nous voulons que nous vivions avec toute dignité, nous. Eh bien, bon Dieu lui-même qui est sauveur, non? Il n'est pas venu seulement pour les bannir une parole. C'est pas tout bon Dieu seulement qui est venu pour lui dire, bon Dieu, c'est vrai, mais il fait avec exemple tout. Il fait avec un peu l'exemple, les mondes qu'il doit vous, il fait multiplication de pain. Il veut juste dire, est-ce que ça n'a pas comme nous-mêmes comme chrétiens? Est-ce que nous sommes peut-être à pourrissant dans les amigages? Est-ce que nous devons faire effort pour nous sortir dans la situation crasse que nous y est? Eh bien, nous-mêmes chrétiens, catholiques, surtout en Haïti, nous avons une mission. Parce que là, nous sommes chrétiens, nous sommes prophètes. Là, nous dit prophètes, ce n'est pas nous qui proposons des pieds intelligents, parce que nous courons des miracles. Parce que miracle, nous-mêmes, tout nous avons fait miracle. Nous restons là, nous, en plus, nous disons que bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, café en pile. Faire tout le bagage pour nous, dépendant de nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts pour nous faire premier pas. Nous ne sommes pas prêts pour nous faire un kilomètre en plus. Eh bien, bon Dieu, ça, qui fait Jésus qui est né à Bethléem, ça, c'est signe vrai, mais c'est bon Dieu qui manifeste, qui révèle l'homme temps. Bon Dieu, ça, il révèle l'homme temps, non, pour nous montrer. Réalisé. C'est pour ça qu'on dit, avant, bon Dieu lui-même, il faut parler à travers le prophète. Et bien, je dis, et bien, nous, petit lire, nous, avons tout mage qui vient porter cadeau pour lui.
Yo reconnaître que c'est question pour Dieu qui vient dans le temps, que c'est une révélation même, c'est une révélation qui vient dans le temps, qui vient dans le temps, pour Dieu qui nous montre nous qui laisse, pour Dieu qui nous montre nos vrais visages à travers Jésus. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, dans la situation que nous vivons comme haïtiens, mon peuple dans le monde, je dis à qui j'en ai reconnaître nous dans le monde. Comment nous reconnaître? Est-ce qu'ils reconnaissent nous parce que nous te faisons un grand exploit? C'est pour ça? Mais des fois, c'est pas pour ça. Mais des fois, leur dossier haïtien, ils ont pris quoi pour y vivre? Et puis, le monde s'est mis au lieu de dire, ah, haïtien, voilà, un petit peu pauvre, vraiment. Non. Et c'est avec ça, ils reconnaissent tout. Mais, aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que haïtien, quand on fête ça, chaque année, nous fêtons. Mais pour qui ça? Qui est pas? Faites ça, c'est sur Notre-Dame du Père, que le secours. Notre-Dame du Père, Notre-Dame du Père, que le secours, ça, lui-même, qui est toujours là, lui-même, qui était porté Jésus-Christ dans l'entrée, pour lui faire toute l'humanité, c'est pas seulement un petit casse-peuple, toute l'humanité, pour lui faire au sauveur, ça, eh bien, il est toujours là, pour lui intercéder pour nous. Est-ce que nous-mêmes, c'est intercéder des choses pour la demande pour intercéder pour nous, ou bien nous devons faire effort par nous tous. Parce que nous devons dire, bon Dieu, t'es créé nous sans nous-mêmes, mais pas sauver nous sans nous-mêmes. Nous besoin effort par nous. Nous besoin participation par nous pour être capable de sauver nous. Nous-mêmes, c'est pas ici aujourd'hui. Hein. Ça fait notre Dame du Père de Dieu, il peut le faire faire ça. Il va le faire faire ça. Il a créé une fête qui est différente de toute l'autre année. Il y a deux fêtes qui sont différentes de toute l'autre année. Nous fait côté de nous prendre conscience. Nous prenons conscience de l'état que nous vivons là et nous disons que c'est chaque agréable à l'issue de c'est fort moins, c'est fort moins de vouloir sortir dans cette situation. Parce que nous sommes capables de dire que c'est fort chaque agréable à l'issue. Chaque irresponsabilité de chaque agréable à l'issue nous mettons dans cette situation. Nous ne pas blaguer ça. Nous sommes dans beaucoup de monde. Nous sommes dans l'autre groupe. Mais c'est nous tous haïtiens. Je veux dire, haïtiens, nous manquons, en plus fois, nous manquons l'amour dans nous. Nous manquons l'amour dans nous. Si nous gagnons un virus, ça, plus, je ne vais pas parler de coronavirus qui est en Haïti, je ne vais pas parler de COVID-19 ça, qui est en Haïti, je ne vais pas parler des virus qui existent entre nous depuis longtemps. Jésus-Christ a été venu pour te porter l'amour. Est-ce que l'amour ça dit dans le cœur? Est-ce que nous vivons l'amour ça en Haïti? Est-ce que ce n'est pas division? Est-ce que le virus, ça ne se pas de division pays? Eh bien, si nous avons un virus, ça n'a pas été de chercher antivirus. Antivirus, c'est l'amour qui doit faire nous, l'amour, ça qui doit faire nous connaître, moins exister, et puis notre frère haïtien, il existe. Moins exister, monde qui sous côté de nous, il existe tout. Eh bien, s'il existe, avec nous, on doit respecter, on doit remettre, disant que bon Dieu lui-même, il est même. Jean que maman, Marie-Léon, était acceptée pour Jésus-Christ dans le cœur, dans le ventre, il remet nous. Il remet nous et toujours intercéder pour nous. Eh bien, je veux dire, qui ça moi-même comme haïtien? Qui ça moi-même, chaque bien haïtien, moi prêt pour me faire? Qui sacrifice, moi prêt pour me faire? Parce que Jésus-Christ, lui-même, fait sacrifice, ça sous la croix, il mourit pour être capable de sauver nous. Il est le fait, il dit, c'est sauveur qui fait, et il va sauver l'humanité. Il va le bailler ville pour nous capables de sauver. Il va le bailler ville pour nous capables de la vie, il vient nous-mêmes pour dire. Qu'est-ce que ça nous fait avec lui, ça? Pour dire ça, il continue à révéler l'histoire, nous. Dans l'histoire, l'humanité, l'histoire, nous, en tant que peuple haïtien. Qu'est-ce ça, nous-mêmes, nous fait avec révélation, ça? Est-ce que nous montrons, tout côté de nos passés, que nous serons signes? Est-ce que nous montrons que nous serons exemples vraiment pour notre peuple? Est-ce que nous montrons vraiment, bon Dieu, il était participé dans la libération, ça? Côté que nous sommes esclaves. Côté que nous sommes esclaves, nous sommes libérés. Mais je dis, après plus que de 216 ans, après 216 ans de l'indépendance, qui ça nous fait comme peuple? Est-ce qu'il nous parle de plus mal? Est-ce que c'est pas retourner? Est-ce que c'est pas battre l'enfer? Ou bien c'est enterrer la panthérie? Ou bien je veux dire,
bon Dieu de ça, lui-même qui parlait, qui était réchauffé. Bon Dieu a créé nous pour nous vivre, gens qui nous vivent aujourd'hui. Bon Dieu ça a créé nous pour nous vivre dans la misère atroce. Bon Dieu ça a été créé nous, qui créé nous pour vivre bien. C'est peut-être ça. Avant de créer nous, il créait tout le bagage. Et puis, il y a nous, intelligence pour nous capables de faire tout ce que nous devons faire pour nous capables de vivre et vivre bien. Pour nous capables de vivre tant que tout l'autre monde a vivre. Vivre tant que le monde, parce que nous sommes monde. Bon Dieu crée nous pour nous vivre tant que le monde. Nous ne devons pas vivre, nous ne devons pas contenter nous. Contenter nous à ce ça qui ça nous est qui devrait être minimum. Devait nous faire fort, devait nous vivre bien, devait nous vivre bien. Le diable, même en tant que chrétien, dès qu'il s'en fout, il m'attend un miracle. M'attend un miracle. Mais miracle là, qui côté la sortie? M'attend qui miracle? Non, il va pas attendre un miracle. Il va pas courir des miracles. Mais nous devons faire notre travail. Nous devons faire l'esprit notre travail pour nous capables de vivre, construire nous, construire peuple ça, reconstruire peuple ça, et construire nous tous, repenser la vie nous, comme chrétien. Chaque chrétien, nous disons, chaque chrétien qui fait de un côté, t'a doué, capable de lumière pour l'autre monde qui vit dans la zone. Parce que si il y a un chrétien qui vit d'un côté, il ne peut pas gagner une transformation. Si il y a une église d'un côté, il n'y a pas transformation, eh bien, ça, nous capables de repenser. Nous devons penser parce que vraiment, l'église, là, il doit penser avec bien-être. Il doit penser, et pas seulement avec l'homme, nous devons penser, mais nous devons penser avec les gens qui ont à vivre. Chaque vrai monde à vivre. Qui, vrai monde, ça, à vivre pour la caille, qui pas de moyens, à plus droit pour lui-même, prendre. Donc, tu vas nous dire, par exemple, ça, c'est ça qui est entré. Et bien, aujourd'hui, à nous-mêmes, nous devons le faire. Jésus, il était fait à Bethléem. Nous disons à nous-mêmes, nous devons le faire. Nous devons le faire. Et bien, le fait, notre fait ça, nous devons bailler la vie dans l'autre sens. Nous devons permettre à tout le monde de découvrir dans nous que nous sommes le premier peuple dans le monde. À nous demander, notre troisième jour, ça, notre troisième jour, nous devons faire ça. À nous demander, maman, maman, et nous devons faire ça. Notre-Dame du Père de Secours, qui est patronne, pour un pays haïtien, pour nous demander, pour lui toujours, même qui est toujours là pour l'intercéder pour nous, pour l'intercéder mon côté de mettre à nous, pour lui faire une force. Bah, nous force ça pour nous faire travail, et puis pour nous faire toujours parler, témoignage de un bon Dieu qui est vivant. Dans la vie chaque grain haïtien, il y a un bon Dieu qui voulait la vie pour chaque grain de monde et la vie en abondance et qui veut nous vivre en dignité dans vos petites vies et dans vos mondes. Eh bien, nous disons, chaque semaine en prière, nous disons, Notre-Dame du Père de Dieu, secours nous, secours Haïti, secours le monde entier, protéger l'Église, secours nous. Mais je dis, si nous disons, nous devons dire avec une autre conviction, nous devons croire que bon Dieu, ça, qui était fait dans Bethléem, il est venu, il n'est pas tellement pour te libérer, il y a un groupe, mais il était fait pour être capable de libérer nous tous, pour être capable de montrer nous, les gens pour nous vivre sans pour nous. Bon Dieu, ça, qui voulait nous vivre sans pour nous, eh bien, nous-mêmes, nous reprenons conscience ça, aujourd'hui. Et pendant tout le temps que nous avons vu sous terre, que nous sommes monde, et nous devons vivre sans pour nous, nous devons vivre avec dignité, nous, sans pour nous. Et nous devons permettre au monde qui vit beaucoup de nous tous vivre dans le monde. Amen. Et que, Père Célestin, que nous vous remercions le fait que vous avez accepté de participer dans la nouvelle salle. Bon, nous espérons que c'est la dernière fois que nous avons parce que Père a gagné parole. Hein? Bon Dieu, parlez à pile et dans la bouche Père. Et que nous demandons vraiment pour. Notre-Dame du Perpétuel Secours, bénis-nous, bénis ministère, bénis congrégation là, parce que bénis tout, famille, parce que réellement nous connaissons. Je vous dis que l'heure où je suis en Suisse, c'est souvent une famille qui est en Haïti. Ouais.
connaît que bon Dieu a pas fait pour le ministère ça. Merci à pile. Et maman, merci surtout pour cette vidéo. Et merci surtout pour cette invitation. Hein. Donc, là, c'est pas une première fois, c'est pas une dernière fois. Et puis, moi, je suis toujours là, disponible depuis que vous avez fait appel à vous, après prendre présent. Merci. Merci. Maman qui règne en ciel là, maman qui plein pouvoir, maman qui quelque sensi pour tout petit lion. Saluez-vous maman notre dame, maman Jésus qui sauve. Maman, l'aimez-moi souillée, vous saluez-vous, maman, notre dame, maman qui touche nos côtés, secours. Maman qui a payé sous nous, maman qui toujours là, maman toujours à prendre soin, la journée tant coule en nuit. Saluez-vous, maman, notre dame, maman, Jésus qui sauve, maman, délivre-moi, souillée. Saluez-vous, maman, notre dame, maman, maman qui consolez-nous, l'aide-nous, guette le danger, dans la peine, dans la souffrance, pour toujours soutenir-nous. Saluez-vous, maman, notre dame, maman, Jésus qui sauve. Maman, délivre-moi, souillée. Saluez-vous, maman, notre dame, maman qui touche nos côtés, secours. Maman qui prend défense, nous, les yeux, les veines à vie. Pave les pouvoirs, Yowa, c'est vie pour craser l'homme. Saluez-vous, maman, notre dame, maman, Jésus qui sauve, maman, délivre-moi, souillée. Saluez-vous, maman, notre dame, maman, pour t'es toujours en mi-port, et c'est pour vous t'aider, ou pas de jambes dans grand-papa. Bon Dieu, levez-vous en l'air. Saluez-vous, maman, notre dame. Maman, Jésus qui sauve, maman, délivre-moi, souillée. Saluez-vous, maman, notre dame, maman, qui est
toujours porté secours. Ou toujours dévoué pour nous. Ou rêve un peuple haïtien. Ou toutes ces rôles d'une détruite. Ou toujours fait diligence. Salut, maman, notre dame. Maman, je suis qui sauvée. Maman, je dis, moi, souillée. Salut, maman, notre dame. Maman, qui toujours porté. C'est tout.